De Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes venus aujourd'hui célébrer notre Dieu, Dieu Trinité, le célébrer dans son unité et dans sa sainteté. Nous sommes donc venus l'adorer et reconnaître dans ce qu'il nous a révélé de lui-même. Père, Fils et Esprit. Et lui disons que nous voudrions demeurer en lui, rester attachés à lui, nous engager avec lui pour toute notre vie. Et en même temps, nous reconnaissons que malgré nos faiblesses, nous avons été élus, fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui pour nous lui demander de nous purifier, de nous apprendre à vivre comme ses fils et ses filles. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Au Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges. Arrachez vos ténèbres.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre. Est-il arrivé quelque chose de si grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir et en toi. Heureux
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allaient en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as reçu le baptême, tu as été plongé dans la vie de ce Dieu qui t'a baptisé, tu as été appelé à entrer en relation avec ce Dieu-là. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu comme un enfant qui va progressivement apprendre à connaître ses parents et entrer ainsi dans une relation durable avec eux? Cette relation grandira et s'approfondira s'il prend la peine de les écouter quand ils lui font connaître leurs pensées et ouvrir le cœur. Le baptisé, lui, apprendra à connaître son Dieu en accueillant sa parole, une parole qui révèle son mystère, qui révèle sa vie,
tout en se laissant éclairer et guider par l'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu nous donne de connaître ses pensées et son cœur. C'est cette connaissance qui est demandée au peuple d'Israël, qui était tenté de chercher d'autres dieux et de chercher à se rassurer par des alliances politiques avec d'autres pays, comme nous le dit la première lecture, ce texte du livre du Deutéronome. Et donc à chercher ailleurs ce qu'il peut trouver dans ce Dieu qui lui était révélé. Malgré tout ce que Dieu a réalisé pour lui. Et ce peuple donc d'Israël, il n'hésitait pas donc à abandonner son Dieu, quitte à se vendre aux autres, à vendre sa liberté contre un nouvel esclavage. Il est donc demandé à ce peuple d'Israël de faire son examen de conscience. Et si le texte nous dit « Interroge ton passé, reconnais ce que Dieu t'a démontré, ce qu'il a fait pour toi, réalisé pour toi, réfléchis. Ton Dieu ne peut se confondre avec d'autres dieux, avec des idoles. Il est le Dieu unique, le Dieu de l'Alliance. Tu as été choisi parmi toutes les nations pour entrer dans cette alliance. Une alliance donc, qui veut t'engager envers lui. Comme Dieu lui-même s'engage envers l'humanité. Dieu t'a parlé et il a agi pour te sauvegarder. Il t'a donné une parole de sagesse, de bonheur et de vie. Il n'a rien à voir avec les idoles. Il n'y a de vie et de liberté que par lui. Aujourd'hui encore, nous qui sommes entourés par toutes sortes donc d'humains qui croient dans divers dieux, aujourd'hui, nous aussi, nous sommes invités à faire notre examen de conscience. Peut-on rester dans l'ignorance? Voyons beaucoup de baptisés, mais qui ne connaissent pas le Dieu qui les a baptisés. Peut-on s'accommoder avec n'importe quelle doctrine religieuse? Peut-on méconnaître le Dieu qui s'est révélé à nous? Pouvons-nous abandonner le Dieu de la Bible, le Dieu de la Révélation, pour des convoitises et des passions humaines? D'autant plus que le Fils de Dieu a visité l'humanité, plus encore son Esprit Saint nous a été donné pour nous conduire dans la vérité. L'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles libérés de la peur. Ainsi, ramenés de la peur, de l'ignorance et des ténèbres, les fils et les filles de Dieu, qui ont toute confiance, osent dire à Dieu, Papa, Père. C'est à l'Esprit Saint que tu apprendras, c'est par l'Esprit Saint que tu apprendras à connaître le Dieu Trinité. Et si Jésus va dire à ses apôtres et à nous aujourd'hui, allez de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. De cette recommandation de Jésus, nous ne pouvons pas entretenir la proposition tant de fois entendue, tout bon Dieu pareil. S'accommoder donc à cette idée, tout bon Dieu pareil. Si tout bon dit pareil, il n'y a pas lieu au Seigneur de nous recommander d'apprendre aux autres ce qu'il nous a fait connaître. Apprenez-le à observer, tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai appris.
donc à observer son enseignement, à observer sa parole. Cette affirmation, tout bon dit pareil, est un amalgame. Inacceptable, inconcevable, une affirmation qui amène confusion et inexactitude à une pratique polythéiste, ce qui veut dire acceptant plusieurs dieux, et même panthéiste, même faire des éléments de la nature, de faire des dieux. Oui, le Dieu, notre Dieu a pris la peine de se faire connaître, de se faire comprendre, d'abord par les patriarches, les prophètes, et en tout lieu et d'une manière explicite, en Jésus-Christ, son Fils. L'Esprit Saint a pris le relais quand Jésus nous dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Les apôtres et aujourd'hui l'Église en font l'écho. Ainsi, à la fin de l'Évangile de Matthieu 28, verset 20, « Apprenez-leur, apprenez aux baptisés à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai commandé, pour devenir, quoi ? Pour devenir les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, pour devenir les héritiers de Dieu. » Ici, Paul, dans ce passage de sa lettre aux Romains, dit ceci. C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste, qui affirme à notre esprit, puisque nous sommes ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Ce que Paul veut nous dire, nous sommes les héritiers de la parole de Dieu, de l'héritage que Dieu nous a laissé, de l'œuvre rédemptrice du Christ, du mystère pascal. Cet héritage, nous ne pouvons ni l'ignorer, ni le brader. Qu'est-ce qui nous permet au moment du credo? C'est ce qui nous permet au moment du credo de déclarer en vérité avec certitude que nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi, en reconnaissant que Dieu est Trinité unique et saint, dans l'accueil que nous faisons de lui et de sa parole, que nous devenons ses disciples. Jésus ne nous dit-il pas dans l'Évangile, de toutes les nations, faites des disciples. Donc, devenons des disciples de Jésus et accueillons donc ce qu'il nous a révélé en accueillant le Dieu Trinité et Saint, seul Dieu, l'unique et qui nous fait comprendre, qui nous fait entrer dans sa vie intime. Professons notre foi. Croyez-vous en un seul Dieu? Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur,
bon Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Prions maintenant avec foi le Père et le Puissant. Prions Jésus le Fils unique. Prions le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, reçois notre prière. Bonheur de tous et pour ta gloire, Seigneur. Tu as voulu te faire connaître à toute l'humanité. Montre-nous en tout temps et en tout lieu ton visage d'amour, de joie, de paix et de tendresse, toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous respons sa humanité, nous refermons.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix. Vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et lui donna ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons chantant le mystère de la foi. Sortis-nous, Sire, qui dort avec nous.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par Dieu avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père, tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette fête de la Sainte Trinité, disons tout simplement la prière que Jésus lui-même nous a donnée et laissons-nous guider par l'Esprit Saint qui nous apprend donc à avoir cette attitude vraie pour nous présenter devant Dieu notre Père, pour lui dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Pitié de nous, adieu de Dieu.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Aujourd'hui, accueille mon repentir. Permets-moi de t'adorer dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Permets-moi de t'adorer dans l'unicité de ta vie. Tu es un seul Dieu, tu es le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi. Viens à moi, Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Tu es la vie, ouvre nos mains pour donner
prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu. Tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et puisque aujourd'hui nous célébrons les mamans, au fond, Seigneur, ce chant de la Marie, Marie, maman, que toutes les mères, toutes les mamans puissent suivre l'exemple de Marie, notre mère, à nous tous. Et à toutes les mamans, je vous souhaite une très bonne fête. Merci beaucoup, mon Père.